La thématique d'aujourd'hui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, et nahmaduhu wa nussalli ala rasooli karim, sallallahu alayhi wa sallam, est l'homme le plus influent du monde. Oui, qui dit ça? Alphonse de Lamartine, un écrivain français. En 1847, il écrit un texte faisant les éloges du prophète de l'islam. Et il dit, écoutez bien, je cite, « Mohammed est le fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel. » Écoutez bien, parmi les qualités des êtres humains, y a-t-il eu une personne plus grande que lui? Qui dit ça? Un non-musulman. En 1997, je suis parti voyager en Inde, spécialement pour une seule chose. À la recherche d'un livre que j'ai trouvé à Chennai, dans une région de l'Inde, parce que je ne le trouvais pas en France. Je voulais absolument avoir ce livre. Il a été écrit par un Américain, un astrophysicien, qui s'appelle Michael Hartz. Son livre s'intitule « Les 100 personnes les plus influentes de l'humanité entière ». Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, certaines personnes seront étonnées de me voir placer Mohammed en tête des personnalités les plus influentes de ce monde. Et d'autres peut-être contesteront mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui a réussi par excellence sur les plans religieux comme séculier. Qui dit ça? Un astrophysicien. Et il place le prophète de l'islam parmi les personnes les plus influentes de l'humanité entière. Quelle fierté d'avoir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, le dernier envoyé, le sceau des prophètes, le meilleur des hommes que cette terre ait porté. Alors c'est qui le prophète alayhi salatu salam? Mes frères et mes sœurs, puisque les sœurs sont là, il faut un cœur bon pour pouvoir aimer les gens. Mais il faut avoir un cœur plus fort et plus bon. Ça n'enregistre pas? Et un peu de soin. Ah ben c'est pas grave, ça sera pour une autre choix. Mais il faut un cœur. Tu veux mettre celui-là? C'est pas grave. Mais il faut un cœur plus fort et plus bon pour pouvoir aimer après avoir été meurtri. Mes frères, écoutez bien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul homme au monde qui a aimé les gens après avoir été quoi? Frappé. Vous trouvez un homme sur la terre comme ça? Il a été blessé et malgré qu'il a été blessé, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a aimé les gens. Quand? Quand il était à Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a été caillassé par les jeunes garçons de la cité, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Le prophète alayhi salatu wasallam a dit Allah pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Il n'a pas dit jahiloun, c'est des ignorants. Non, ils ne savent pas. Voilà le prophète alayhi salatu wasallam. Un homme qui revient de Taïf, le sang coule sur son visage et sur ses pieds et Allah il envoie l'ange Gabriel accompagner l'ange des montagnes et il dit tu sais je suis l'ange des montagnes, Allah il est au courant de ton affaire, eh bien tu n'as plus qu'à lever tes mains et je m'occupe de ce village de Taïf, je l'ai réduit en poussière. Et le prophète alayhi salatu wasalam de répondre à l'ange des montagnes, je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens, mais j'étais envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière. Oui. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ashku ilayhi dhu'fa quwwati. Oh Allah, je me plains pas de ces gens-là qui m'ont fait du tort, mais je me plains de ma faiblesse. Y a-t-il un être humain sur la terre qui a osé dire ça aujourd'hui en 2023? Non.
Y a-t-il un homme sur la terre comme le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui a subi autant de difficultés à Taïf et qui invoque Allah pour la guider de ces gens-là? Ça n'existe pas. En 2023, on n'a pas trouvé un homme comme ça. Il est unique. C'est le messager de l'islam. Regardez bien, nous allons commencer par une histoire magnifique qui nous illustre comment le prophète alayhi salatu salam se trouve lorsqu'une personne veut faire un péché. Si quelqu'un vient devant toi en 2023 te dit j'ai envie de faire un péché, la réaction du musulman en 2023 c'est quoi? Astaghfirullah, a'oudou billah, t'as été tapé par un djinn ou quoi mon frère? Choum alik. Ça c'est la réaction du musulman en 2023. Mais regardez comment le prophète alayhi salatu, il est devant ses élèves qui vont devenir les stars des sahaba. Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu raconte cette histoire qui se trouve dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les muhadiths, où un jeune homme s'approche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré de ses compagnons. Et il dit, ô messager d'Allah, permets-moi de faire la fornication. Les savants ont discuté de ce hadith. Un jeune homme qui arrive devant le prophète alayhi salatu salam, en bon français, ô messager d'Allah, permets-moi de coucher avec une meuf. Si un musulman il arrive devant l'imam ou devant toi et te dit aujourd'hui, tu peux me permettre de coucher avec une fille, aoudou billah, pousse-toi de la star, t'es le diable. Ça c'est la réaction du musulman en 2023. T'as pas honte de parler comme ça? C'est le ramadan, ou même en dehors du ramadan. Permets-moi de coucher avec une fille. Les savants ont dit, est-ce que c'est un ignorant ou est-ce qu'il a la connaissance? Ben les savants ils sont unanimes pour dire que c'est pas un ignorant. Il a la connaissance. Parce que si tu sais que le porc, le jambon, c'est interdit, est-ce que tu vas demander une fatwa? Non. Alors ce jeune homme-là, il a dit, permets-moi de coucher avec une fille, de faire la fornication. Et lui, il sait très bien que c'est illicite. Parce que si c'était illicite, j'ai pas besoin de demander l'autorisation. Puisque c'est illicite, je peux coucher avec une meuf, il n'y a aucun problème. Pourquoi demander au messager de Dieu? Non. Mais il sait que c'est interdit. Et il veut une fatwa pour lui. Une permission, parce qu'il a besoin de coucher avec une fille. Et les compagnons, vous savez quoi? Furax à côté, prêt à le malmener. Le prophète dit, calmez-vous. Vous êtes mes élèves, c'est moi le prof. C'est moi donc, à moi de répondre. Et regardez-moi comment je vais répondre. Parce que je suis le modèle pour vous. Moi, je vais partir un jour. Vous devez prendre référence sur moi. Et le prophète, alayhissalam, regardez comment il va parler à ce jeune garçon qui est venu demander le péché. Voilà le meilleur homme que cette terre ait porté. Il va dire, approche-toi de moi. Pourquoi il lui dit, approche-toi de moi? Parce que c'est dans la compagnie des savants, des éducateurs, des maîtres qu'on apprend à s'approcher d'Allah. C'est pas dans les bouquins. C'est pas dans les bouquins que tu t'approches d'Allah. C'est pour ça que les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les compagnons, ils n'ont pas connu Allah à travers le Coran. Non, ils ont connu Allah à travers le prophète. Pourquoi? Parce que la révélation, elle est descendue sur qui? Sur le prophète. Et le prophète, il leur a enseigné quoi? La parole d'Allah à travers lui. Donc les compagnons n'ont pas connu Allah à travers le Coran. Ils ont connu Allah à travers le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit à ce jeune homme, approche-toi de moi. Et les compagnons observent ce spectacle. Et le prophète, un, ne va pas lui faire de reproches, ni de réprimande, ni de condamnation, ni ses formules, astaghfirullah, a'oudou billah, la hawla wa la quwwata. Non, pas de tout ça. Ni condamnation, ni jugement, ni critique. Qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est ça, le prophète c'est un pédagogue, ça s'appelle de la pédagogie, c'est un médiateur. Il va sortir aucun verset du Coran. Il va lui dire, aimerais-tu que quelqu'un fasse cela, écoutez bien, avec ta maman? Ah oh, oui, jamais, je sacrifierai mon père et ma mère, personne ne fera ça avec ma mère. C'est pas possible. Le prophète il continue, c'est un traitement, d'accord? Il lui dit, est-ce que tu acceptes que quelqu'un fasse cela avec ta soeur? Jamais de la vie. Je sacrifierai mon père et ma mère, mais personne ne fera ça avec ma sœur. Ça s'appelle quoi, à votre avis? Un traitement, une chimio. Il faut du temps pour guérir. C'est pas d'arriver à coup de verset du Coran. Allah dit dans le Coran, hadith. Je m'en vais, j'ai donné mon verset du Coran. Non, le prophète, il ne parle pas comme ça. C'est un médiateur, il faut du temps pour soigner les gens. Et il est en train de le soigner. Mais pas à coup de verset, à coup de hadith. Et le prophète continue, alayhi salatu salam. Il lui dit, aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante maternelle? Ô messager de Dieu, impossible, je sacrifierai mon père et ma mère.
Et le prophète de continuer, alayhi salatu wasalam, aimerais-tu que quelqu'un fasse cela avec ta tante paternelle? Jamais au messager d'Allah. Je sacrifierai mon père et ma mère. Et le prophète, il sent qu'il est prêt. Aïe, ah, c'est un traitement. Il sent qu'il est prêt. Et lui dit, approche-toi encore de moi. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, lui met la main sur la poitrine. Il lui dit, Allahumma ighfir li dhanb. Pardonne-lui son péché. Pardonne-lui son péché. Allah, pardonne-lui son péché. Et purifie son cœur. Et protège-le des vices. Vous savez ce qu'il va dire le jeune homme? Au messager d'Allah, dans les médiations que tu as dit, je t'ai écouté. À partir de maintenant, je n'ai plus envie de faire ce que j'ai demandé. Je n'ai plus envie de faire ce que j'ai demandé. Est-ce que le prophète lui a sorti un verset du Coran? Il lui a sorti un hadith? Non, c'est un médiateur. Et si nous en arrivons avec nos enfants à coup de verset, à coup de hadith, c'est pas comme ça que ça va marcher. Et nous, c'est pas comme ça que ça va marcher. En 2023, comme on ne veut pas prendre la position du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sa façon de parler, alors on ne peut sortir que des versets, que des hadiths. Et si ça ne nous plaît pas, c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est pas la bonne méthode. Parce que le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit au Coran ? Ad'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanat. Vous vous rendez compte? Allah dit, parle-leur avec quoi? La sagesse et la bonne manière. Et discute avec eux de la meilleure façon. Voilà le prophète, alayhi salatu wasalam, pourquoi c'est le meilleur des hommes? Parce qu'il a su parler à quelqu'un qui voulait faire un péché, et il l'a empêché avec quoi? De la médiation. Tout simplement. Deuxième exemple, pour voir l'excellence à son paroxysme du meilleur des hommes que cette terre ait porté. Si les non-musulmans, mes frères, écouteraient ces histoires, je vous assure qu'ils embrasseraient l'islam. Ou alors ils diraient, vous êtes sûr que vous suivez votre prophète? Vous êtes sûr que vous le prenez comme référence? Parce qu'apparemment, on ne voit pas votre prophète à travers vous. Alors qu'en vérité, en marchant sur cette terre, les musulmans et les non-musulmans, quand ils nous voient marcher, ils doivent voir le comportement du messager de Dieu, parce qu'il n'est pas là. Il n'est que dans les livres. Mais pour le faire vivre dans cette communauté, le messager d'Allah, et pour le faire sortir des livres, nous sommes obligés de le mettre en notre vie. Très bien. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, hadith 2408, selon Anas radiallahu anhu, un homme, écoutez bien, arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au messager d'Allah, halaktu. Ô messager d'Allah, je suis perdu. En 2023, quelqu'un arrive devant toi, il est triste, il fait la tête, et il dit, mon frère, je suis perdu. Qu'est-ce que tu peux t'imaginer? Le pire, soit sa femme est morte, soit son fils s'est fait renverser. Ah, tu t'imagines le pire, quelqu'un dit, je suis perdu. Quelqu'un dit, j'ai un problème. Bon, il a dû crever, son pneu est crevé. Mais quelqu'un dit, je suis perdu. Tu te dis, là, franchement, c'est grave. Et l'homme a dit, ô messager d'Allah, je suis perdu. Et le prophète, alayhi salatu, de lui répond, dit, mais qu'est-ce qui t'a fait perdre? Et l'homme nous dit, j'ai eu des rapports avec mon épouse en plein mois du Ramadan, le jour. Un homme, il arrive devant toi et dit, j'ai eu des rapports avec ma femme en plein Ramadan. Mon frère, t'es pas capable de te retenir, staffallah, mais t'es grave comme frère. Voilà notre réaction. Je ne sais pas si vraiment on s'approche du messager d'Allah. Et le prophète, regardez sa réponse. Qu'est-ce qui t'a fait perdre? J'ai eu des relations avec mon épouse en plein mois du Ramadan. Alors le prophète, alayhi salat, va l'aider. Il va l'aider à revenir vers Allah. Et c'est ça en vérité. Il ne faut jamais rabaisser les musulmans, condamner les musulmans, casser les musulmans, critiquer les musulmans. Il faut les aider. Toujours on doit aider les musulmans. Et c'est ce que le prophète voulait faire. Il ne voulait pas le perdre, ce jeune homme-là qui a fait son péché. Cet homme marié. Alors le prophète lui dit, peux-tu affranchir un esclave? L'expiation. L'homme dit, j'ai pas les moyens. Très bien. Le prophète, alayhi salat, tout ça, me dit, peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? J'y arriverai pas. J'ai craqué. Et le prophète de continuer, alors, peux-tu nourrir 60 pauvres? J'ai pas les moyens. On se dirait quoi, nous, aujourd'hui? Non, mais t'abuses, tu le fais exprès ou quoi? Tu veux pas demander pardon à Allah? Tu veux pas revenir? Le prophète, il lui donne toutes les solutions qu'il faut, mais ils veulent sauver. Il lui propose l'expiation, le moyen de se repentir, de demander pardon à Allah.
Je ne peux pas affranchir un esclave. Je ne peux pas jeûner 2 mois. Et je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Le prophète, alayhi salat, il reste comme ça. Il réfléchit. Quand tout d'un coup, un homme arrive avec un panier de dattes fraîches pour le donner en aumône. Et le prophète, alayhi salat, prend le panier et lui dit merci. Et le prophète, alayhi salat, dit, où est l'homme qui m'a questionné? Parce qu'il était dans l'assemblée. L'homme dit, c'est moi, viens ici. Tu prends ce panier de dattes et tu vas le donner aux pauvres. Et l'homme, il regarde le messager d'Allah. Il lui dit, ô messager d'Allah, parmi les montagnes qui surplombent Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi. Et le prophète, alayhi salat wa salam, sourit en faisant montrer ses incisives. Il dit, prends ce panier et donne-le à ta famille, va manger. Cadeau. C'est qui cet homme-là? C'est qui cet homme-là? On trouve aujourd'hui un musulman en 2023 qui aide un musulman qui vient avec des péchés. En fin de compte, je vais tout faire pour que tu te rapproches d'Allah. Et si tu n'arrives pas, je vais tout faire pour que tu réussisses. Je comprends pourquoi le messager d'Allah, il n'a pas perdu les sahaba. Je comprends pourquoi il ne les a pas perdus. Ils sont arrivés avec des péchés comme des montagnes, parce que pour lui, c'est un péché comme une montagne. Et il revient vers le prophète avec un péché comme une montagne et il repart avec un cadeau. C'est quoi cet homme-là? Il vient avec un péché, il repart avec un cadeau. L'homme le plus influent de la terre. Et il a laissé les traces sur l'humanité entière. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je revenais du marché sur le trottoir. Je vois une dame âgée, à genoux, par terre, hein, qui ramassait des morceaux de verre, une bouteille cassée sur le trottoir. Ben, les passants, ils contournaient la bouteille cassée parce que c'est dangereux. Et elle s'est arrêtée, elle ramassait. Je m'approche d'elle, je dis, madame, vous faites quoi? Ben, je ramasse les morceaux de verre. Je lui dis, madame, vous savez que le prophète de l'islam a dit, c'est qui? Le prophète de l'islam, Mohammed. Ah, vous savez ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de l'imam al-Bukhari? Non, je ne sais pas. Le prophète, alayhi salat, a dit, j'ai vu un homme au paradis en train de s'amuser. Parce qu'il a ramassé une branche d'arbre qui gênait les passants. Et dans une autre version, un homme marchait sur la rue, il a vu une branche d'arbre qui gênait les passants. Il s'est dit, je vais la retirer parce qu'elle gêne les gens. Il fut introduit au paradis. Elle dit, oui, j'ai lu le Coran, monsieur. L'impact du messager d'Allah, sallallahu alayhi, 14 siècles après, on voit cette dame qui ramasse des bouts de verre parce que ça gênait les chats et les chiens. Vous avez vu l'influence du messager d'Allah, sallallahu alayhi? Voilà. Les choses, c'est plus simple. Aujourd'hui, tu as des non-musulmans qui sont en train de faire revivre et de mettre au goût du jour les traditions du messager de l'islam. Sallallahu alayhi. C'est l'homme le plus influent de la terre. Il n'y aura pas, jusqu'à la fin des temps, un homme d'une excellence en qualité et qui a fait un impact énorme sur l'humanité entière. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari au chapitre 9, selon Azraq ben Qais, radiallahu anhu, raconte, et vous allez voir la tolérance du messager de l'islam. Il raconte, nous étions à Al-Ahwaz. Al-Ahwaz, c'est une ville à l'époque des Sassanites, à l'époque des Perses, aujourd'hui c'est en Iran. C'est une ville de 1 300 000 habitants. Il a dit, nous étions à Al-Ahwaz, au bord du fleuve Qaroun, pour nous défendre contre les Khawarij. Qui sont les Khawarij? On les appelle les dissidents, les gens qui sont sortis du rang de l'islam. Le prophète, alayhi salat wa sallam, a dit que ce sont les habitants de l'enfer. Pourtant, Ibn Abbas, radiallahu anhu, est parti débattre avec eux par la permission de Ali, parce qu'il a voulu débattre avec eux. Et à son retour, il a dit aux sahaba, j'ai vu des hommes qui priaient la nuit tellement qu'on voyait sur leur front les traces de prières de nuit. Et ils lisaient le Coran plus que nous. Et pourtant, c'est les habitants de l'enfer. Plus que nous, les sahaba, les khawarij. Et dit, on se défendait contre eux qui nous attaquaient. Quand tout d'un coup, Shu'ba raconte, radiallahu anhu, qu'il avait Abu Barza el-Aslami qui faisait la prière de l'Asr tout en tenant les rênes de sa monture. Imaginez-vous la scène. Et il dit, je le voyais qui priait l'Asr et sa monture bougeait à droite à gauche et il bougeait à droite à gauche. Imaginez-vous. Un des Khalijites dit, oh Allah, punis cet homme. Parce que aussi ils invoquent Allah. Et une fois que Abu Barza al-Aslami a terminé sa prière, il s'approche du Kharijite et lui dit, tu sais, je sais ce que tu as dit sur moi, mais tu sais qui je suis? Je suis Abu Barza al-Aslami,
compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fait 6, 7, 8 expéditions avec lui. Je ne l'ai jamais vu intolérant comme toi tu l'es aujourd'hui. Si j'aurais lâché ma monture pendant que j'y priais, elle se serait échappée. J'aurais tout seul dans le désert. Et comment j'aurais pu repartir vers ma famille? C'est pour ça que dans la suite du chapitre de Al-Bukhari au chapitre 9, Qatada radiallahu anhu raconte que nous les sahaba, quand nous faisions la prière, et si nous observons un voleur qui vole notre menton, on arrêtait la prière pour courir derrière le voleur. Voilà le prophète comment il nous a enseigné la tolérance. Ça c'est le messager d'Allah, comment il a éduqué les compagnons. C'est pour ça mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme de la référence, c'est l'homme de l'expérience, c'est l'homme qui a éduqué l'humanité entière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mes chers frères, vous savez que cet homme-là, il est venu pour nous ramener l'éducation. Parce que la science, on peut l'avoir rapidement, on peut l'avoir auprès des maîtres, des savants, dans les livres, sur les réseaux, TikTok, tu peux écouter des conférences. Mais l'éducation, tu ne peux pas l'avoir sur les réseaux. L'éducation, tu ne peux pas l'avoir sur les livres. L'éducation, il faut s'asseoir avec un éducateur. C'est pour ça que les grands savants, Bukhari, Muslim, regardez l'imam Shafi'i, dans le fiqh Shafi'i, un livre qui s'appelle Al-Qadim ou Al-Jadid. Quand l'imam Shafi'i était à Bagdad, en Irak, il a été avec ses élèves. Ils l'ont accompagné, ils ont pris des notes. Et ensuite, il accompagne en Égypte. Et sont devenus des grands savants. Parce qu'ils ont accompagné. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, mes chers frères, il a laissé les traces de son comportement sur l'humanité entière, dans sa façon de faire. Et c'est la plus grande da'wa. La plus grande da'wa, c'est la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam. Et lui, sa da'wa qu'il a fait, vous savez c'est quoi? C'est appeler l'humanité entière à Allah. Et les sahabas qu'ils ont hérité du prophète, alayhi salatu wassalam, le plus grand héritage, c'est la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam. Et eux, ils ont fait montrer la grandeur d'Allah, et les qualités mohammediennes sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde entier. Comment les musulmans du monde se sont convertis? Ils n'ont jamais vu le prophète alayhi salat. Les livres n'étaient pas présents. Mais ils ont vu qui? Les sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez comment le prophète il est tolérant. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, authentifié par les muhadithoun, Anas raconte, et vous allez être étonnés de ce hadith. Il dit: nous étions dans la mosquée de Médine avec le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions les grands compagnons avec nous. Et ils nous apprenaient la religion, honnêtement. Y a-t-il mieux? Y a-t-il une meilleure scène aujourd'hui qu'on peut espérer? Allez, on peut espérer trouver aujourd'hui la mosquée de Médine, remplie avec le prophète, alayhi sallam, et les sahaba Abu Bakr, Omar, Talha, Zubayr, et ils apprennent la religion. Y a-t-il mieux aujourd'hui? Y a pas mieux. Mosquée du prophète, alayhi salatoum, le messager de l'islam, les sahaba et l'apprentissage de l'islam du Coran. Regardez bien ce qui va se passer. Anas raconte, un bédouin rentre dans la mosquée et se met à crier. Un homme, il rentre dans la mosquée maintenant, là, je discute. Il crie, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne tous. Taqillah, mon frère, chut, tais-toi, c'est la maison d'Allah. C'est ce qu'on va faire. Alors regardez bien. Écoutez bien l'histoire, c'est important. Un homme rentre dans la mosquée, se met à crier. À moi, au secours !» Les gens se retournent. À moi, au secours !» Mon chameau est devenu rétif. À moi, au secours !» Mon chameau est devenu rétif. Ils rentrent dans la mosquée, les compagnons se retournent. Ils sont assis avec le prophète, alayhi salat, ils apprennent la religion, le Coran. Quand tout d'un coup, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il ne faut pas le chauffer, Omar, hein, il se lève. Il s'approche de lui. Il dit, qu'est-ce que vous avez, les Médinois? Vous avez pris le prophète pour un berger ou quoi? À chaque fois que vous avez un problème, vous venez. Vous l'avez pris pour un berger, le prophète, alayhi salatu wassalam? Il lui parle gentiment, mais il lui explique. Et le prophète, alayhi salatu, se lève. Il laisse le cours, il se lève, il s'approche du bédouin. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, mon chameau est devenu rétif, il ne veut pas qu'on le monte et qu'on le surcharge. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, c'est bon, je t'accompagne. Il laisse tomber les compagnons, il laisse le cours, il laisse la mosquée, il laisse le Coran, il laisse tout.
Et il s'en va, pourquoi ? Pour donner un coup de main à ce berger. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les compagnons ? Ils ont fait comme Moussa ? Ben, pas avec mon Seigneur ? Pas avec ton Seigneur. C'est la mosquée d'Allah. C'est mieux. C'est la meilleure ambiance. Vous avez, ils ont dit ça ? On t'accompagne, t'es le maître, tu sais ce que tu fais. Et nous, on sait que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pourtant, la mosquée, le Coran, la religion, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais s'ils le suivent, c'est que c'est meilleur. Alors ils le suivent. Et Abou Bakr, il a eu peur. Abou Bakr a accéléré le pas pour prendre les devants. Et Omar et les compagnons accompagnent le prophète alayhi salam jusqu'à l'enclos. Et quand ils arrivent devant l'enclos, Abou Bakr et Omar disent « Ô messager d'Allah, il est vraiment rétif, on a peur qu'il te fasse du mal. Ne rentre pas. » Et le prophète de leur répondre « Vous inquiétez pas, tout se passera bien. » Le prophète, il rentre dans l'enclos, alayhi salatu salam, et le chameau se met à courir envers le prophète, alayhi salatu. Et les compagnons ont peur. Ils croisent les bras, ils ont dit « Oh là là, qu'est-ce qui va arriver ?» On a peur pour le prophète, alayhi salatu salam. Quand tout d'un coup, le chameau s'arrête brusquement devant le prophète, alayhi salatu, et se met à genoux. Le prophète, il s'approche de lui, alayhi salatu salam, et il met sa joue contre la joue du chameau. Et il voit que le chameau se met à pleurer. Et le prophète, il lui parle dans l'oreille. Il reste comme ça un moment, et tous les compagnons observent cette scène. Après un certain moment, le prophète, alayhi salatu salam, dit « Où est le prophète ? Où est le propriétaire du chameau ?» Il dit « C'est moi, messager d'Allah. » Il lui dit « Crains Allah vis-à-vis de ton chameau, car il s'est plaint auprès de moi comme quoi tu le nourris mal et tu le surcharges. Tu seras questionné devant Allah. » Voilà. Alors, qui nous a donné et nous a appris le droit des animaux ? Mes frères, le prophète, il a créé la SPA, bien avant la SPA. Nous, on croit que c'est M. Colbert, en 1673, qui a inventé la retraite. On parle de retraite en France. On parle de retraite, là. C'est vrai ? En 1673, si je ne me trompe pas, Colbert, il a inventé la retraite pour les marins. Maintenant, il y a la retraite pour tout le monde. Ça, c'est pour la France. Mais qui a inventé la retraite pour l'humanité entière ? Je vous le dis, vous êtes prêts à écouter ? Tome 2, page 202, dans le livre qui s'appelle « 15 l'Ummel fi sunn al-aqwal wal-af'al » de Ali ibn Abd al-Malik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi, de 1883. Qu'est-ce qu'il dit ? Que Abdallah Ibn Abu Hadra al-Aslami radiallahu anhu raconte, selon Ibn Omar radiallahu anhu, qui dit que Omar ibn al-Khattab, calife du monde musulman, était à Médine en train d'administrer son peuple dans les rues de Médine. Quand tout d'un coup, il voit un homme assis par terre, un mendiant. Omar s'approche de lui et lui dit « De quelle religion es-tu ? » « Je suis de religion juive. » Omar lui dit « Pourquoi tu m'en dis ?»« Parce que j'ai besoin d'argent pour payer el jizya. » »« J'ai besoin d'argent pour payer l'impôt. » Omar radiallahu anhu dit « Viens avec moi. » Il l'emmène chez lui et demande à sa femme de lui préparer à manger. Il fait rentrer qui chez lui ? Un juif. « Peux-tu préparer à manger pour cet homme pauvre ?» de la communauté juive, mais bien sûr, avec un grand plaisir. Elle lui prépare à manger. Quand il a fini, Omar dit, « Mais avec moi, tu viens au trésor public. » Et Omar lui donne une somme d'argent. Il vient encore avec moi. Omar dit, il rentre à la mosquée, il invite tous les compagnons. « Venez tous, j'ai quelque chose à dire. » Comment on a pu oser de leur user de leur argent quand ils étaient jeunes ? Comment on peut user de leur argent maintenant qu'ils sont vieux ? Je décrète le décret suivant, qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans cette situation-là et dans la pauvreté, ils auront une allocation jusqu'à la fin de leur vie. Et Omar lui a donné une allocation chaque mois et pour toutes les personnes qui dans ce cas-là. Qui a inventé la retraite ? C'est pas Colbert, c'est Omar ibn Khattab, l'héritier de qui ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a inventé l'allocation familiale ? Allahu Akbar, c'est pas en 1932. Écoutez bien.
Omar radiallahu anhu, toujours dans 15 l'Ummal, fi sunan al-Aqwal, selon Ibn Sa'id radiallahu anhu, rapporte que Omar était avec Abdurrahman ibn Auf. Oh, c'est un commerçant, puis c'est le plus grand commerçant, puis il est occupé dans son business. Mais quand même, je suis un grand commerçant de la communauté musulmane, mais quand même, le soir, je sors avec le calife. Pourquoi? Pour administrer le peuple. Oui? Il disait, tous ils étaient ensemble, le riche et le pauvre ensemble. Omar lui dit, Abdurrahman, tu veux venir avec moi ce soir, on va surveiller un peu la ville. Il fait nuit, il n'y a pas de lampadaire. Bien sûr, je viens avec toi, Amir Mouminin. Et Omar et Abdurrahman sortent de la ville de Médine, ils vont dans le faubourg de Médine et ils voient le soir des gens qui ont planté des tentes la nuit. Omar s'approche d'eux, il leur dit, qui vous êtes? Nous sommes des commerçants et nous voyageons. Et nous avons fait halte ici pour dormir. Omar dit non. Venez. Venez à la mosquée de Médine. Vous serez mieux, en sécurité. Comme ça, on pourra protéger vos bagages des voleurs. Parce que la nuit, hein, il y a des voleurs dans le désert. Ils ont été d'accord, les hommes et les femmes. Omar les fait rentrer dans la cour de Médine. Elle fait 805 mètres carrés, hein. Il les fait rentrer dans la cour de Médine et plante les tentes dans la cour. Hommes et femmes, ils dorment dedans. Omar dit Abdurrahman, qu'est-ce que t'en fais de Naouba? On tourne à tour de rôle, un qui prie la nuit et l'autre qui surveille les bagages. Et l'autre après, il surveille les bagages et il dort la nuit. Il prie la nuit. Ok. Abdurrahman se met à dormir. Omar se met à prier. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Il entend un bébé pleurer. Alors Omar se lève après sa prière, il s'approche de la femme et dit, crains Allah vis-à-vis de ton enfant, essaie de le calmer. Elle va essayer de le calmer. Omar repart à sa prière, l'enfant se met encore à pleurer. Omar revient et dit, crains Allah vis-à-vis de ton enfant, elle va essayer de le calmer. Omar va revenir et une troisième fois l'enfant va pleurer. Omar va dire, mais qu'est-ce qu'il a ton enfant? Regardez ce qu'elle va dire la dame, oh Abdallah. Elle ne sait même pas que c'est le président du monde musulman. Elle ne sait même pas que c'est le calife. Quelle humilité! Elle ne sait pas que c'est le calife. Ou Abdullah, le chef des croyants Omar ibn Khattab, a dit qu'il donnait une allocation pour toute femme qui sevrait son enfant. Mon enfant ne veut pas être sevré. Elle dit, quel âge a ton enfant? Il a tel âge. C'est pas grave. Omar, il repart dans sa prière. Et il se met à pleurer toute la nuit. Toute la nuit, il se met à pleurer. Il dit, voilà, à cause de moi, combien d'enfants n'ont pas été sevrés parce que les femmes ont peur de ne pas avoir leur allocation. Le matin, il se lève après la prière de soupe. Il monte au mimbar. Je demande pardon à Allah et je demande pardon à toutes ces femmes. Je jure par Allah qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui sèvent ou qui ne sèvent pas leur enfant auront leur allocation familiale. Pas beau ça? Voilà. C'est qui Omar? L'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez le prophète alayhi salatu wa sallam, comment il a influencé le monde. À travers qui? Les sahaba. Les sahaba, les tabi'i. Et nous aujourd'hui. C'est pour ça mes frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous, on le prend comme référence, vous savez ce qui va se passer? On pourra influencer le monde. Pas pour le changer. Non. On pourra faire du moins connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité à travers nous. Parce que tu vas dire à nous musulmans, tu peux ouvrir le Coran, tu peux ouvrir le Coran. Bon, j'ai pas envie. C'est normal, c'est son droit. Fais ce qu'il veut. Tu peux faire la shahada, te convertir. J'ai pas envie. C'est son droit. Fais ce qu'il veut. D'accord avec moi. Par contre, si toi, dans ton comportement au travail, au boulot, dans la rue, au magasin, tu te comportes dans tes achats, dans tes courses, dans la voiture, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bah tu sais quoi? Ils n'ont pas besoin d'ouvrir le Coran, ni la biographie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont découvrir le messager d'Allah en te regardant. Tout simplement. Vous avez vu? Voilà comment le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam il était. C'est dans notre comportement qu'on peut, incha'Allah, faire montrer cette belle religion aux gens. Vous savez, je vais raconter une anecdote. Il y a 4 ans de cela, j'ai voyagé dans un pays, je ne dirais pas le pays, et dans ce pays, la communauté musulmane, la communauté chrétienne et la communauté juive
vivre en harmonie. J'ai fait le tour du pays, j'en ai profité pour faire des conférences. Et je suis parti pour visiter un savant. C'est l'élève de Ahmed Didet, rahimahullah. J'ai rencontré, j'ai profité de son savoir. Et dans la mosquée, quand c'était fini, il m'a donné la parole pour parler. À la fin, j'ai fait connaissance avec des gens. Et dans l'assemblée, il y a un homme qui dégageait de la lumière. Il était beau, Allah il a créé la beauté, c'est Dieu qui la donne. Un homme avec une arme à main, mashallah, un turban, il avait des yeux bleus comme l'océan, une barbe, mashallah, un beau kamis. Je m'approche de lui, je ne sais pas, il m'a tiré. Salam alaykoum, alaykoum salam. Bon, mon arabe, il est cassé, c'est l'arabe de France. Kayfa haluka, anta bikhir, mashallah, mazbout, alhamdulillah. Je parlais un peu l'arabe, et lui, il parlait mal l'arabe. Allahu akbar. Je lui dis, on n'est pas en France. Il parle mal l'arabe. Je lui dis, anta laysta arabiya? Il dit, non, anta laysta arabiya. Anta hiyoudiya. Allahu akbar, t'es pas un arabe? Non, non, je suis juif, je suis converti à l'islam. Allahu akbar. Tu t'es converti à combien de temps? Raconte-moi ton histoire. Ah, tu veux que je te raconte mon histoire? Ouais, raconte-moi ton histoire. Parce que je sais qu'il y a des juifs, des musulmans, il y a la synagogue, il y a plein de joie. Mais raconte-moi ton histoire. Je vais te raconter mon histoire si tu viens manger chez moi. Ah ouais, d'accord. Je dis au savant, l'élève de Ahmed Didet, tu veux venir avec moi? Ouais, viens. On va chez ce juif, il est plus juif, oui, il est musulman maintenant, machallah. Sa femme, elle prépare à manger, du thé, tout ça. Je dis pas les spécialités parce que vous allez découvrir le pays. Et on mange, et je dis, vas-y, raconte-moi ton histoire. Il me dit, écoute, moi, j'avais 15-16 ans, et j'étais avec mon père, et tous les vendredis, on va marcher pour acheter les courses pour Shabbat. Parce que Shabbat, c'est au Maghreb, le vendredi, comment Shabbat. Donc on fait les courses, hein, on achète les produits qu'il faut au marché. Et en même temps, il y a les musulmans qui achètent leurs courses, ben parce que c'est Shumura aussi. Ils font un bon plat le vendredi, c'est normal, c'est le meilleur jour. Donc quand même, tu te fais plaisir. Tu manges bien, famille, tout ça. Et nous, les musulmans, les juifs et les chrétiens, on se voit au marché, on fait les courses. Comment ça va? Nanana, on discute. Et mon père, juif, il avait un collègue du travail, musulman. Il travaillait dans la même usine. Et ils se croisaient au marché, comment tu vas? Ça va, ils font les courses. Et l'ami de mon père, qui est musulman, il dit, quand t'as fini les courses, viens, je t'invite à me boire un thé. Moi et mon papa, on est partis, été invités par ce musulman pour boire un thé. On rentre dans un café, halal et tout ça, hein, que du café, du thé, on boit tout ça. Et quand on a fini, il me dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Donc, je viens avec mon père, il nous ouvre une porte, on rentre. Il y avait du monde qui était assis, on ne comprenait pas ce qui se passe, on était assis, on s'est assis au sol. Puis on entend l'appel à la prière. En fin de compte, c'était la prière du vendredi. Et sans s'en rendre compte, on était assis et puis on voit un homme qui monte et puis il fait le prêche du vendredi. Bon, on ne pouvait plus sortir maintenant. Et mon père écoutait le prêche du vendredi. Et à la fin du prêche, mon père s'est converti à l'islam. Trop fort. Parce que dans ce pays, il parle hébreu, il parle arabe, il parle chrétien, Non, c'est pas une langue, la chrétienté, pardon. Et mon père s'est converti à l'islam. Eh ben moi, j'ai suivi la religion de mon père. Je me suis converti à l'islam. J'avais 17 ans. Et tous mes potes du quartier, c'était des musulmans aussi. Donc, je sortais avec eux, je fréquentais, tout ça. J'ai grandi. J'avais 22 ans, ben, ça titille dans ma tête. Hein. À 22 ans, ça titille. Hein. Je voulais me marier. Et tous mes potes, ils m'ont dit, écoute, on a des cousines, on a des sœurs, c'est des bombes atomiques et tout. Lui, c'était un beau gosse. On a nos sœurs et tout, machallah. Chacun venait me voir pour proposer sa sœur, sa cousine. Je dis, écoutez, non. Moi, je veux pas. Pourquoi tu veux pas te marier? Non, non, moi, je voudrais me marier avec une juive qui se convertit, inchallah. Parce que je voudrais bien que ça soit une juive, elle se convertit. Parce que vous êtes tous musulmans, mais moi aussi, je voudrais bien qu'on ait des gens de la communauté juive aussi qui se convertit comme ça. J'aurais une femme juive convertie. Ouais, c'est pas bête. Alors, il a attendu. Il a réussi à se marier avec une femme juive qui s'est convertie à l'islam. Il en a trouvé une, alhamdoulilah, il s'est marié avec elle. Ils ont eu deux enfants, mais elle n'a jamais voulu faire la prière ni le ramadan. Et tous ses potes lui ont dit, on t'avait dit, tu vois, t'aurais dû te marier. Non, tu sais ce que je leur répondais? Je leur répondais un verset du Coran, Inna Allahu ma'as-sabirin. Moi, je patiente.
À chaque fois, mes potes, les musulmans, arabes, ils disent, allez, t'as vu, t'aurais dû nous écouter. Et moi, je leur répondais, Inna Allahu ma'as sabirin. Allah, il est avec les patients, je patiente. Peut-être qu'un jour, il priera. Bon, et regardez la scène. Il continue son histoire et dit, un jour, écoutez bien, ma femme me dit que je vais aller dans le Caucase parce que sa sœur est malade. Donc, elle a pris l'avion, elle est partie dans le Caucase. Et quand elle arrive là-bas, bon, elle achète des cadeaux dans le centre commercial. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sur le parking un groupe de barbus avec des hammamas et des khamis. Elle s'approche d'eux, mais hey, vous ressemblez à mon mari. Vous faites quoi? Ouais, nous, on sort dans le sentier d'Allah 40 jours pour propager la parole d'Allah en Russie, partout, en Ukraine, un peu partout. Waouh! Et il me donne un petit livre. Ce livre est marqué, écoutez bien, Le Jardin du Paradis. Un petit livre. Moi, je prends le livre, je le mets dans mon sac. Écoutez bien. Je rencontre ma sœur. Après, je quitte le pays et je rentre dans mon pays à moi. Quand je rentre dans mon pays, je tombe malade. Il dit, ma femme tombe malade. Elle reste 6 mois alitée. 6 mois dans le lit. Et quand elle reste 6 mois dans le lit, vous savez ce qu'elle a fait ma femme pendant 6 mois, à votre avis? Elle a bouquiné ce petit livre. Et elle a embrassé l'islam dans le lit. Moi qui cherchais à me casser les dents pour qu'elle devienne pratiquante. Il a fallu qu'elle aille dans le Caucase pour croiser un frère, des frères qui sortaient dans le sentier d'Allah. Un petit livre, ils l'ont donné, ils n'ont même pas parlé. Et elle, Allah, il l'a guidée où? À l'hôpital, dans le lit. Ma femme, elle a embrassé l'islam. Dans le lit. Allah, il l'a guérie. Quand elle est revenue, regardez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, si tu me permets, je vais réunir mes anciennes copines juives. Je voudrais les rencontrer. Elle les a rencontrées, elle leur a parlé. Elles sont converties à l'islam. Et énormément de femmes juives de cette ville ont embrassé l'islam. Regardez ce qu'elle a fait cette femme. Le frère, on était étonnés, moi et le savant, le lève d'Ahmedidat. Il dit, on a envoyé des courriers aux savants dans le monde. En Asie, en Arabie, tout ça, demandant l'autorisation de traduire le livre Riyad Salihin en langue hébraïque. Ils ont autorisé. Et nous et les femmes, tous les samedis maintenant, alors que c'était Shabbat, le samedi matin, on lit le livre Riyad Salihin en hébreu. Vous avez vu la darwa? Ça, c'est la darwa du prophète, alayhi salatu salam. C'est pour ça, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui est venu résoudre les problèmes du monde entier. Les problèmes du monde entier. Nous, mes chers frères, on a le meilleur des exemples, le meilleur des modèles. C'est pour ça qu'au quotidien, cherchons à s'approcher de ce personnage merveilleux. Ce prophète, alayhi salatu salam, qui aujourd'hui nous étonne encore. Ce prophète qui aujourd'hui, qui a conquéri 20 empires terrestres, un empire spirituel, comme l'a dit Lamartine Alphonse. Comme l'a dit Michael Hartz. Donc c'est pour ça, mes chers frères, des non-musulmans aujourd'hui témoignent, des astrophysiciens, des chercheurs, des philosophes, témoignent de la grandeur de cet homme. Allah ne l'a pas envoyé pour rien à l'humanité entière. Il est venu pourquoi? Pour sauver l'humanité entière. Et nous sommes qui? Les héritiers du messager d'Allah. Nous sommes 1,652 milliard de musulmans dans le monde. Aujourd'hui, il y a 3 900 000 mosquées, 790 millions de personnes qui font la prière de Tarawih le soir. Quelle fierté, quel honneur et quel bonheur de faire partie de cette grande communauté. Hommes et femmes, dans la rue, on ne doit pas marcher la tête baissée. On doit marcher la tête, alhamdoulilah, avec fierté. Nous sommes musulmans. Les gens nous envient aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes la plus grande communauté. Ils nous envient parce que vous êtes 1,5 milliard de musulmans et c'est votre mois du Ramadan. Les gens nous envient parce que nous avons le plus grand pèlerinage du monde où il y a près de 3 millions de personnes. Les gens nous envient. Donc c'est pour ça. Et en plus, c'est le mois de la générosité où les musulmans font des cadeaux au monde entier. C'est pour ça, mes chers frères, on doit le mois, ce mois-là, la générosité, le mois du Coran, écoutez bien, le mois de la prière, le mois de la mosquée, et je termine avec cette histoire, le mois du pardon. C'est le mois du pardon, où il faut demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Je donne cette histoire pour terminer. Le grand savant Ibn Sirin nous raconte cette histoire et nous dit que au temps de Moïse,
Moussa alayhi salatu wassalam, il est arrivé où il y a une grande sécheresse avec les enfants d'Israël, à tel point que les animaux mouraient de soif. Les animaux mouraient de soif. Une sécheresse aride. Alors Moussa alayhi salatu wassalam, ça va dans le désert. Il va dans le désert avec les 70 000 enfants d'Israël et il implore Allah. Oh Allah, c'est dur ce qui nous arrive. Descend la pluie. Mais le soleil est devenu plus rouge et le ciel plus chaud. Alors Moussa alayhi salatu wassalam monte sur la montagne et invoque Allah Ta'ala. Oh Allah, on t'a invoqué. Tu n'as pas répondu. Moi, il est aux 70 000 enfants d'Israël. Allah lui dit, hey, Moussa, je n'ai pas répondu à votre invocation parce que parmi vous, il y en a un qui me défie depuis 40 ans. Il y en a un qui pêche depuis 40 ans et qui ne demande pas pardon. À cause de lui, vous êtes impacté. Moussa, alayhi salatu wassalam, dit, comment faire Allah? Le seul moyen, c'est qu'il sorte de votre groupe parce que vous êtes impacté par son péché. Imaginez-vous, mes frères, aujourd'hui. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors Moussa alayhi salatu wassalam réunit les 70 000 enfants d'Israël et dit, parmi un de vous qui désobéit Allah et qui le défie depuis 40 ans, il faut qu'il sorte d'ici. L'homme concerné baisse sa tête. Il met une capuche sur sa tête et se met à pleurer. Oh Allah, si je me lève devant tout le monde, je serai humilié et tout le monde saura que c'est moi. Mais si je reste comme ça et je ne me dénonce pas, tout le monde va mourir de soif et de faim. Oh Allah, sincèrement du fond du cœur, ça fait 40 ans que je te désobéis. Je te demande pardon par ta grandeur et ta majesté. Pardonne-moi Allah, car les enfants d'Israël sont en train de souffrir par ma faute. Plus jamais je te désobéirai. À ce moment-là, le ciel, un nuage blanc arrive et la pluie se met à tomber. Et les enfants d'Israël sont abreuvés. Moussa alayhi salat monte sur la montagne. Oh Allah, personne ne s'est dénoncé, personne n'est sorti. Tu as descendu la pluie. Oui Moussa, parce que pendant ce temps-là, l'homme m'a demandé pardon et j'ai accepté son pardon et j'ai descendu la pluie. Oh Allah, dis-moi cet homme qui il est afin que je sache qui il est. Oh Moussa, pendant 40 ans, il m'a désobéi et je ne l'ai pas découvert en public. Maintenant qu'il m'a demandé pardon, tu veux que je le découvre en public? Frère, il faut cacher les défauts. Il faut cacher les défauts des frères. Il faut demander pardon à Allah Ta'ala. C'est le mois du pardon. Tu as un peu de temps, tu es dans un coin, avant le Maghreb, tu lèves tes mains. Et tu demandes pardon à Allah Ta'ala parce que combien d'années tu as été rebelle avec ton père? Combien de fois tu as fait pleurer ta mère? Combien de fois ta mère t'a demandé des choses? Combien de fois tu n'as pas appelé ta mère? Tes sœurs, tes frères, tes oncles, tes tantes? Combien de fois tu as été dur? Comment tu as été dur avec les voisins, avec les gens? Demande pardon à Allah Ta'ala qui ramollit ton cœur, qui adoucit ta langue et qui nettoie ta pensée. Ouais, c'est ça en fin de compte. Car là, il nettoie ta pensée, qu'elle soit plus propre, que ta langue soit plus douce. Hein. C'est ça, on demande à Allah qu'il nous change. Enfin, c'est pour ça, mes chers frères, je termine avec ce hadith dans le recueil d'Imam al-Bukhari, où Anas raconte que il dit jamais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a refusé quoi que ce soit quand on lui demandait quelque chose. Un jour, un jeune homme arrive d'une tribu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, ô messager d'Allah, écoutez bien, ô messager d'Allah, donne-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu vois là, tous les ovins et tous les bovins qui se trouvent dans cette vallée, c'est pour toi. Prends. Waouh. L'homme y revient dans son village. Regardez ce qu'il lit, accrochez-vous. Ô mon peuple, convertissez-vous, devenez musulmans, embrassez l'islam, parce que Mohammed donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Vite, devenez musulman, embrassez l'islam. Il donne à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Tout le monde prend leur monture et ils foncent dans le village. Ils quittent et ils arrivent tous à Médine. Tous. Avec quelle intention, à votre avis? D'embrasser l'islam? Oh non.
Ils sont tous venus parce qu'ils veulent manger, ils veulent des bovins, des ovins. Leur intention n'est pas bonne. Mais ils sont venus demander. Et le prophète, alayhi salat, tout ça, leur a donné. L'année suivante, tous ces gens-là qui avaient demandé, ils étaient venus pour payer la zakat. Ils étaient tous musulmans. Vous savez comment ils sont devenus musulmans? Conférence? TikTok? Snap? Ils n'existent pas tout ça. En fait, ils donnent. Imagine-toi si pendant ce ramadan, tu vas donner une soupe à ta voisine. Bonjour madame. Oui, vous me connaissez? Oui, vous êtes mon voisin de dessous. Vous savez que c'est le mois du ramadan? Oui, tout à fait. Voilà, mon épouse a préparé un petit plat pour vous, une petite soupe, une spécialité. Oh, c'est très gentil, ça me touche. Je vous dois quelque chose? Non, madame, c'est de bon cœur. Oh, c'est très gentil. Elle va dire à son mari, les enfants, venez, venez. Isabelle, Thierry, Caroline, Philippe, venez, venez, venez. Regardez notre voisin, le musulman, là. Il nous a préparé un petit plat. Oh, c'est trop bon. Oh, ils sont trop bien, ces musulmans. Oh, franchement, si le ramadan, c'était tous les mois, ça serait le top. Allez, je vous mets au défi. Allez, je vous laisse pas partir comme ça. Qui est prêt demain à préparer une petite spécialité et taper chez le voisin et chez la voisine et lui donner un petit plat? Pour Allah, vous le faites pour Allah. Allez, qui est prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On peut augmenter quand même. Hein? 12. Bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter à 12. Je vais faire à l'envers, c'est mieux. Des fois à l'envers ça passe mieux. Qui est prêt pendant tout le reste du ramadan à ne pas donner un plat à sa voisine? Qui ne veut pas donner un? Il ne veut pas donner. Tu ne veux pas donner. Qui ne veut pas donner à sa voisine? Deux. Non mais vous avez le droit. Donc je reviens dans l'autre sens, c'est mieux. Hein. On était à 10. Qui veut donner? Parce que vous voulez le dalil peut-être, c'est mieux le dalil. Voilà. Dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal, selon Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, authentique dans les muhadithoun, qu'est-ce qu'il dit? Je suis rentré dans mon jardin, j'ai pris une petite bête, je l'ai dépecée. Je l'ai égorgée, j'ai donné à ma femme. Et j'ai dit à ma femme, donne-en à notre voisin juif. Car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Gabriel n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que je pensais qu'il avait droit à part à l'héritage. Voilà. C'est tout simple. Alors qui? On était à 10. Qui veut donner demain ou après-demain une spécialité à son voisin? 11, 12, 13, 14, 15. Et même si tu ne veux pas prendre un kebab, donne-lui un tacos. Un tacos, tu ne veux pas cuisiner, donne un tacos. 5 balles. Mais tu sais pourquoi tu fais ça? Pas pour qu'elle se convertisse, non. Parce que tu veux faire montrer ta belle religion à travers un petit plat. Tu peux dire, ouais, on est les meilleurs. On est les champions, on est les musulmans, il n'y a pas meilleur que nous. Très bien, tu peux le dire, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu vas faire montrer aux gens que cette religion, elle est belle, elle est jolie. Tu vas offrir un livre, un gros livre de l'islam, comme non, un petit plat. On était à 13, hein. C'est qui le 14e? 14? Allez, encore 6. 15, 16, 17, encore 3. 18, 19, et c'est qui l'apothéose? Et 20. Demain, les frères, c'est pas moi que j'ai fait la promesse, hein, c'est Allah. Demain, débrouillez-vous, t'oses pas, t'es timide, tu sais quoi? Envoie ta fille, envoie ton fils, envoie le mec de la cité si tu veux pas. Tu dis, tu peux déposer ça chez le voisin, voisine, j'ai envie de gagner des hasanettes. Oh Allah, les frères, elle est belle cette communauté, elle est belle. Faut juste quoi? Faut pas avoir honte, faut pas être timide, faut y aller. Inch'Allah, prêt, Inch'Allah? Je vous aime tous pour Allah, c'est gentil de m'accueillir. J'ai mis un petit peu ce titille un petit peu à la fin parce qu'on est des bons amis. Subhanak Allahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alayna yawma ulana innaka at-tawwabur rahim. Allah accepte nos doua pendant ce mois béni du Ramadan. Allah accepte nos doua qu'on fait envers notre communauté, envers nos parents, envers nos proches. Allah descend la guider dans le monde entier. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, on lise le Coran en entier au moins une fois. Allah fait que pendant ce Ramadan, on soit constant dans les prières du Tarawih. Allah fait que pendant ce mois du Ramadan, j'ai l'opportunité à plusieurs fois de faire des doigts. Allah, pendant le mois du Ramadan, fait que je t'évoque et je t'invoque constamment. Allah, pendant ce mois du Ramadan, ne me laisse pas une occasion où je ne peux pas t'évoquer, ya Allah, ya Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid, subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum, je vous aide tous les frères de Bagneux. Qu'Allah vous récompense et vous garde.